Voici le guide complet des défis survie semaine 3 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander de battre des Sandtroopers. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le désert. C'est à cet emplacement-là que vous allez pouvoir trouver des Sandtroopers. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de chercher des grottes de Sandtroopers, enfin de Star Wars. Donc pour les trouver, je vous conseille d'utiliser les macros jumelles. Comme ça, quand vous allez les utiliser, vous verrez directement l'emplacement des grottes de Star Wars. Donc c'est les emplacements avec le logo rouge. Ensuite, vous rentrez dans cette grotte. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de cette grotte, en fait, vous allez trouver des Sandtroopers. Donc en fait, la différence entre les Stormtroopers et les Sandtroopers, c'est que tout simplement, les Sandtroopers, vous pouvez voir qu'ils ont un peu de sable sur leur corps, quoi, sur leurs armures. Donc ça, vous pouvez savoir exactement si c'est un Sandtrooper ou un Stormtrooper. Donc là, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement d'en tuer 3. Et dès que vous aurez réussi à en tuer 3, bah là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'enchanter un objet. Donc pour enchanter un objet, vous allez devoir construire une table à essence. Donc les tables à essence, elles sont ici et il vous faudra du bois souple et de l'ambre taillé. Donc quand vous avez les ressources nécessaires pour la construire, vous la construisez. Et quand vous allez aller à l'intérieur, vous allez pouvoir enchanter vos objets. Donc en fait, les objets que vous allez pouvoir enchanter, c'est tout simplement vos armes. Donc n'importe quelle arme que vous utilisez, vous allez pouvoir les enchanter. Donc là, par exemple, si je choisis une pioche typique de rareté grise, je clique sur X et là, je vais pouvoir ajouter des améliorations de dégâts, des améliorations de durabilité, des améliorations de vie et des améliorations de chance. Donc pour chaque enchantement que vous allez faire à votre arme, vous avez la possibilité d'en faire 3 par arme. Pour chaque enchantement, il vous faudra les ressources indiquées en bas à droite. Donc par exemple, pour ajouter des dégâts, il nous faudra un rubis brut et un noyau explosif. Ensuite, vous enchantez votre arme et dès que vous aurez enchanté au moins une arme, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fabriquer un détonateur thermique. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de créer un établi rebelle. Donc pour obtenir les établis rebelles, il vous faudra obligatoirement dans votre inventaire, donc dans votre sac à dos, du plastoïde. Ensuite, vous débloquerez le schéma de l'établi rebelle. Et pour le créer, il vous faudra 5 de bois et 8 de plastoïde. Ensuite, quand vous l'avez créé, quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que vous avez la possibilité de construire tout simplement un détonateur thermique. Donc pour le construire, il vous faudra 2 de cuirassier et 1 noyau explosif. Dès que vous aurez ces ressources-là, vous allez pouvoir créer le détonateur thermique et terminer ainsi le défi pour débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fabriquer un planeur. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra un établi de modification. Donc il faudra bien entendu l'améliorer. Et ensuite, je pense que c'est dans vos équipements où il y a la torche, vous avez la possibilité de débloquer un planeur et de le construire uniquement si vous avez 6 tissus en bois, 8 tiges de bois souple et 4 tissus de laine. Dès que vous avez ces ressources-là, vous construisez le planeur et là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de parcourir la distance. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à voyager sur la map. Et dès que vous aurez parcouru 1000 mètres de distance, bah là vous aurez terminé. Bah là vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.